Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, de quoi parlons-nous ce soir? Encore d'un Oui. film Netflix Ah, qui est lequel? sorti hier, Oui. qui se nomme Le Roi des Ombres. Top 2. Voilà. Le genre, s'il te plaît. C'est un drame. Très bien. C'est pour quel public? 13 et plus. Et quelle durée? 1h29. Ah, ça déjà, c'est un premier point C'est positif. carré. Au moins, ça ne dure pas 3 heures. Voilà. Bon, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Marc Fouchard. Est-il connu dans le domaine ou pas? Non, il a fait Break, pour ceux qui connaissent peut-être. Hors du monde, c'est un réalisateur français qui débute. Très bien. Les acteurs le sont-ils plus connus? Oui, bien sûr, nous avons Caris qui a fait Bronx, Braqueur et peut-être deux autres films, il me semble. Bon, c'est un rappeur hein, à la Ah, base. Caris, oui, c'est Ah un oui, rappeur à la base, bah oui. voilà. Voilà. Ensuite. On va quand même pas mettre une photo de Caris, si. Bon, on peut, hein. Oui, c'était une blague, on va la mettre. Oui. Assassila, qui a été connu pour Bande de filles. Et Scam. Voilà, D'accord. c'est une série sur des adolescentes au lycée. Très bien. Ensuite. Et ensuite, nous avons Alassane Diong, qui a fait Tirailleurs avec Omar Sy. Très bien. Voilà. Donc, le pitch en une phrase, ça se passe dans une cité populaire. Voilà. Qui est détenu par Caris, donc, dont j'ai oublié le nom dans la série, excusez-moi. Il le tient de main très ferme par le trafic de drogue, voilà. Et il a un demi-frère qui, lui, est aveugle. Voilà, d'où le Roi des Ombres, voilà, vous avez bien compris le titre. Et évidemment, ça va être une lutte fratricide entre les deux Voilà. frères. Voilà, Très bien. tout simplement. On va pas trop On va rentrer dans les droit au détails. but. Est-ce que tu as aimé ce film? Il se laisse regarder. Voilà, déjà 1h30, il y a du rythme. Après, évidemment, c'est pas le film de l'année. Voilà, c'est pas le scénario de l'année. C'est quand même touchant. Non. 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 Désolé. D'accord. Non. Moi, la vie en cité, je connais pas. Mais tous les clichés qu'on peut s'imaginer, bah, c'est dans le film. Alors, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Peut-être, je sais pas, je pourrais pas dire. Mais tout ce qu'on peut attendre de la vie en cité, bah, c'est dans ce film-là. Très bien. Voilà. Donc, il y a les bons et les mauvais et les très mauvais côtés. Bah, voilà, toute la vie sociale est paralysée par le trafic de drogue. Et va y avoir un élément légèrement fantastique. Légèrement vaudou, rituel, on ne sait pas Je sais trop. pas ce que ça vient faire là. Un peu de rituel africain, je suppose. Là aussi, je maîtrise pas le Oui. sujet, donc excusez-moi si je dis des On suppute. bêtises. Voilà, supputons que Voilà. c'est africain. Ouais. Et je ne vais pas spoiler, mais il va acquérir quelque chose qui va permettre de lutter contre son frère. Voilà. Parlons des acteurs. Bah Oui. moi, les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons. Voilà. Notamment Caris. Oui. Étonnant. Moi, je pensais que, bon, t'es, voilà. Non, Mais, bah non. il passe bien à l'écran. Ouais, Ouais. j'ai été surpris. Même l'autre frère, bah, tu m'as dit qu'il Alassane, oui, il a joué. dans Tirailleurs, c'est Oui, c'est ça? ça. Voilà. Les deux jouent plutôt bien. Et puis même les autres, ils jouent plutôt Ouais. bien. Ils sont cohérents. Voilà, c'est concret, Ouais, c'est ça, c'est vrai, cohérent, c'est vrai. ils sont efficaces, il n'y a pas de blabla, 1h30, c'est supérieur à l'énorme daube d'Olivier Marchal, je le redis, pour fâchez-vous Ah si vous oui. voulez, je m'en fous. Allez, Bah c'est. la daube sur Prime Video, Ah, comment il s'appelle ce film? dont on a fait le retour et qui était exécrable. Ouais, bah on va vous mettre le lien. Et pourtant, c'était des acteurs connus, de réputation, avec de Ouais, mais ce l'expérience. film-là, il était trop gros. Tiens, Ah oui, rien non que quand il mais... parlait, on dirait que c'est de la comédie, quoi. Oui, voilà, c'était un sketch Ouais, non, de là A à c'est Z. vachement mieux. T'as raison. Là, C'est au-dessus. Ah ouais. ça tient le niveau. Après, je répète, évidemment, si vous attendez pas à un truc d'une profondeur incroyable. À savoir que c'est quand même bien filmé. Il y a des beaux plans. Ah oui. Ah oui? Oui, T'as oui, trouvé? oui. Bah c'est la cité quoi. Ouais, mais j'ai Voilà. bien aimé. Bah c'est rythmé quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Est-ce que je le conseille? Bon, j'irai pas jusque-là. Ça c'est un divertissement.
ça se veut divertissement et il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Moi, je le conseille. Dans le sens où c'est 1h30. Ils ont respecté ça. Voilà. Nous, on ne demande pas plus. On veut 1h30 de télé, basta. C'est pas comme dans Luther où on va s'endormir devant. C'est exactement. 1h30, c'est parfait. On est diverti, on n'en demande pas plus. On était ailleurs avec ce film quand même pendant 1h30. Oui. Voilà. C'est pas intellectuel. C'est pas outrancièrement violent. Non. Moi, je m'attendais à des fusillades, à des bastonnades. Il y en a un peu, mais sans plus. On n'accentue pas le truc. Voilà. Je pense qu'on était bon. Tu conseilles pas quand même? Si vous voulez être diverti pendant 1h30 avec de l'action, c'est tout bon. Voilà. Si vous voulez faire chauffer vos neurones, évidemment, vous n'y allez pas là-dedans. Mais bon, ça, c'est évident. C'est ça qui est bien. Tu peux le regarder et te reposer. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée. À bientôt.